Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 5 nouvelles habitudes que j'ai mis en place dans mon quotidien depuis le mois de janvier. Ces habitudes, en fait, elles ont pris du temps à se mettre en place, mais je voulais vous en parler aujourd'hui car grâce à elles, je me sens beaucoup plus belle, beaucoup plus sereine et surtout avec plein d'énergie. Et je vous ai préparé une petite surprise à la fin de cette vidéo. Je vais vous annoncer quelque chose qui est arrivé dans mon quotidien. Donc, si vous voulez savoir, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous partager mes nouvelles habitudes et en quoi elles ont découlé sur cette nouvelle annonce que je vais vous faire. Donc, c'est parti, on va voir la première habitude. Alors, la première des choses qui a aidé à traquer, en fait, mon activité au quotidien et me rendre compte que j'étais très sédentaire, me rendre compte de mes habitudes de sommeil, me rendre compte de beaucoup de choses, c'est cette petite bague qui vient de chez Ultra Human Ring. C'est une collaboration que j'ai fait avec eux. Et d'ailleurs, je vais vous partager un code promo juste après, mais je vais déjà vous expliquer à quoi elle sert. Donc, cette bague, vous pouvez la mettre sur tous les doigts que vous voulez, le mieux c'est quand même l'index. Vous l'avez peut-être déjà vu dans mes vidéos, mais en fait je la porte au quotidien pour dormir, pour faire mes activités au quotidien. Qu'est-ce qu'elle traque? Elle traque mes pas, elle traque ma fréquence cardiaque, mon volume d'oxygène, mon temps de sommeil, est-ce que je fais du sommeil léger, paradoxal ou profond, et du coup elle instaure des habitudes. Elle traque aussi par exemple tout ce qui est caféine. Et elle m'indique à quel moment je dois arrêter la caféine dans la journée pour pouvoir avoir un sommeil stable. Elle va me dire à quelle heure je dois me coucher pour avoir un sommeil stable et du coup pour être en forme. Et je peux vous assurer que ça a changé ma vie, ça a changé mon quotidien et surtout que j'ai appris à comprendre le fonctionnement de mon corps. Donc justement, cette bague en collaboration avec Ultra Human Ring, eh bien, j'ai un code promo si ça vous intéresse. Le code promo, c'est EP10 en majuscule. Et vous retrouverez le lien pour accéder à cette bague juste en dessous de cette vidéo. Donc surtout, allez-y, allez-y les yeux fermés. C'est vraiment une bague qui peut changer votre quotidien. Alors, je voulais vous montrer un peu comment je traque. C'est une application sur mon téléphone Ultra Human et dessus, il y a mon sommeil. Donc là, par exemple, aujourd'hui, je suis en pente glissante. Ça veut dire que j'ai moins dormi que d'habitude. Mon indice de sommeil est de 87 et il m'explique pourquoi. Mon sommeil profond optimal pour la récupération. Le sommeil profond, également connu sous le nom de sommeil à ondes, aide à la récupération physique et à la santé du système immunitaire. Donc là, moi, j'ai dormi 9h50 et j'ai fait 3 cycles complets. Et après, j'ai tout un graphique qui m'explique que voilà, j'ai dormi 10h21 en tout, mais que j'ai pas eu mes cycles complets. J'ai été réveillée 25 minutes. Évidemment, j'ai un petit loulou qui me réveille un petit peu la nuit, que le sommeil profond était de 9%, etc., etc. J'ai même toute ma fréquence cardiaque en dessous. J'ai vraiment énormément de choses sur le sommeil. Mais c'est pas tout. Après, j'ai aussi les mouvements. Donc pour l'instant, les pas que je fais par jour, ça c'est hyper important pour moi. Je me rends compte que je fais très peu de pas dans mon métier. Même si voilà, je bouge pendant mes vidéos, j'ai besoin de faire plus de pas. Ça fera partie d'une de mes nouvelles habitudes également. Mais tout découle de cette bague. Les 4 habitudes qui viennent ont découlé de cette bague pour vraiment, eh bien, me sentir mieux, me sentir belle, me sentir sereine et surtout me sentir bien dans mon corps, en fait, savoir où je vais et ce que je dois faire. La deuxième habitude que j'ai mis en place depuis le mois de janvier, c'est le journaling. En gros, c'est écrire dans un journal. Donc ça, j'en ai pas mal parlé sur Instagram en story. J'écris tous les soirs ou les soirs où j'ai envie. En fait, ça dépend. Je ne me mets aucune contrainte sur le journaling, sinon ça devient justement une contrainte et je ne le fais pas. Quand je ressens le besoin de m'exprimer, d'exprimer mes émotions, d'exprimer ce qui s'est passé cette journée, mais aussi des choses positives, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé de positif aujourd'hui, eh bien, je l'écris dans mon journal. Je n'ai aucune règle dans ce journal, j'écris au feeling, mais ça m'aide énormément à extérioriser. Parce que ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on a tendance à intérioriser tout ce qui se passe et du coup, ça reste en nous et ça forme des nœuds partout dans le corps. C'est désagréable, ça peut vraiment ensuite vous bloquer. Et moi, j'aime pas ça, je trouve que
Ça m'a bloqué pendant des années et aujourd'hui, l'extérioriser sur un journal m'aide énormément à revenir dessus, à travailler dessus et du coup à me sentir mieux tous les jours. Parce que oui, on a tous des jours qui vont mieux et d'autres qui vont moins bien. Et donc, le journaling nous aide aussi à comprendre ces journées de mieux et de moins bien. Ce que j'aime aussi dans le journaling, c'est qu'on peut revenir en arrière sur des petits paragraphes et des fois te dire « Ah oui, c'est vrai que à ce moment-là, j'ai eu ça, à ce moment-là aussi », et peut-être faire des liens entre certaines réactions que l'on avait pour pouvoir travailler dessus et pour pouvoir en fait s'améliorer, mais s'améliorer pour soi, pas pour les autres. Et c'est ça qui est important, de bien vous sentir, de ressentir de la joie quotidiennement et de pouvoir gérer ses émotions. Quand on a des enfants en bas âge, comme c'est le cas aujourd'hui pour moi, j'ai un petit enfant de 2 ans, eh bien, les émotions, on se rend compte, sont très importants. Lui, à 2 ans, ne gère absolument pas ses émotions parce que il n'a pas le cortex préfrontal formé. Donc nous avons notre rôle de l'aider à gérer ses émotions. Mais pour l'aider à gérer ses émotions, il faut d'abord gérer les siennes. Et le journaling, pour ça, m'aide énormément. Donc je me suis améliorée en tant que femme, mais aussi en tant que maman avec ce journaling. Cela m'aide aussi à gérer mes journées de couturière, d'entrepreneuse qui sont très prenantes et qui sont parfois pas faciles à gérer au quotidien. Et donc, ce journaling m'aide aussi à exprimer toutes mes émotions par rapport à ça. Donc, je vous encourage vous aussi à passer l'étape du journaling, ma deuxième habitude qui vraiment a changé mon quotidien. Aujourd'hui, ça fait 9 mois que je le fais et franchement, c'est exceptionnel. La troisième habitude que j'ai mise en place, c'est le pilates. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'a jamais pratiqué de sport. En tout cas, j'ai essayé énormément de sport pendant mon adolescence. L'équitation, le judo, la danse, mais je ne me suis jamais tenu à un sport complètement. Je vous raconte vraiment ma vie personnelle, c'est des choses que je n'ai jamais dit dans d'autres vidéos, donc j'espère que ça vous plaira aussi d'avoir un petit aperçu de qui je suis, moi Héloïse, et comment aussi, à travers mes nouvelles habitudes, je peux vous aider. Et donc, j'avais envie de trouver un sport qui me plaise et que j'ai envie de faire tous les jours, ou en tout cas tous les 2 jours, régulièrement dans mes habitudes. Et j'ai découvert il y a très longtemps, le yoga. Donc, je m'étais mis au yoga par des applications, par des vidéos sur YouTube. M'étais inscrite à quelques cours, mais ça n'avait pas pris. Je trouvais ça assez intense. J'aimais beaucoup, ça me faisait du bien, mais j'avais pas ce déclic pour vraiment avoir un corps de rêve. C'est un peu ça mon but, c'est que moi, j'aimerais vraiment avoir le ventre plat, avoir des formes bien sur mon corps, dans un fessier bien bombé, voilà, des jolies cuisses, être un petit peu plus musclée que ce que je le suis aujourd'hui. Et le yoga, ça ne m'aidait pas vraiment pour ça, en tout cas dans ma pratique que je faisais, ne m'aidait pas. Et j'ai découvert au mois de janvier des cours de pilates. En fait, ça se ressemble, mais le pilates va aller travailler beaucoup plus en profondeur sur les muscles profonds grâce à sa respiration pilates. Et quand j'ai découvert la respiration pilates ainsi que les exercices, j'en suis tombée amoureuse directe. Donc, j'ai commencé par des cours en présentiel dans un atelier justement pour savoir un peu comment faire mes exercices. C'était important pour moi d'avoir une bonne base. Et ensuite, j'ai commencé à faire chez moi avec des vidéos YouTube. Donc, j'utilise moi les vidéos YouTube Move with Nicole, que je peux mettre le lien juste en dessous. Il y en a plein d'autres sur YouTube. C'est à vous de voir celle qui vous correspond. Mais du coup, je continue le pilates en atelier présentiel et je fais également sur YouTube le week-end, par exemple, ou des jours où j'ai pas le temps d'y aller. Ce qui me permet d'avoir une pratique quotidienne entre 3 et 4 cours par semaine, entre 30 minutes et 1 heure. Et ça me fait un bien fou. Je peux vous garantir que je n'avais aucune idée de ce que le sport pouvait m'apporter. Effectivement, j'ai jamais été attirée par le sport, les sports d'équipe, les sports collectifs ou tout seul comme l'équitation. Ça ne me faisait pas du bien, ça m'énervait, ça m'embêtait dans mon quotidien. Je n'arrivais pas à mettre ça en place dans ma routine. Aujourd'hui, le pilates, j'ai envie de le faire. Et moi, je vous encourage aujourd'hui à trouver votre sport à vous, car je suis persuadée que le sport, c'est une question personnelle et que vous devez trouver le sport qui vous correspond pour pouvoir avoir
envie de le faire. Donc, dans ma routine quotidienne aujourd'hui, le Pilates, il est indispensable. Ensuite, ma quatrième habitude, et franchement qui a changé ma vie, c'est de bannir ce fameux téléphone le soir. Et au lieu de regarder la télé ou le téléphone, c'est-à-dire des écrans bleus, je vais lire. En fait, tous les soirs, une fois que j'ai endormi mon loulou, je vais me poser dans ma chambre avec une petite lumière tamisée que j'adore et je me mets à lire. C'est devenu une habitude vraiment quotidienne que j'adore parce que je m'endors beaucoup plus vite. D'ailleurs, ma bague ici peut vous le dire, je m'endors beaucoup plus rapidement que les premiers mois de janvier, février. Donc, c'est devenu quelque chose que j'aime, rencontrer mon livre le soir, repartir dans une histoire que j'aime beaucoup. Je la mets, je lis soit sur un livre, soit sur ma liseuse. La liseuse permet aussi de pouvoir régler l'intensité et ce n'est pas une lumière bleue. Donc du coup, cette nouvelle habitude, je la mets en place le soir. Ça m'évite de regarder les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, pour rien en fait le soir, juste avant de m'endormir. Ça, c'est une nouvelle habitude que je mets en place avec le journaling. Je fais mon journaling, puis ensuite, je lis mon histoire. Et franchement, ça change ma vie parce que je me sens mieux reposée, je me sens plus énergique et du coup, je me sens vraiment belle et sereine au quotidien. Et enfin, la cinquième habitude, alors j'en ai plein d'autres, mais en vrai, j'en parle que de cinq ici. Elle est assez récente. Je viens en fait de m'acheter un tapis de marche parce que comme je vous le disais, je suis assez sédentaire dans mon quotidien. Je pratique le Pilates, mais j'avais envie d'une activité un peu plus cardio. Alors oui, c'est pas facile de l'intégrer aujourd'hui au quotidien. Ça fait 2 semaines là que je l'ai mise. En fait, j'essaie de me mettre des petits moments où, au lieu de regarder mon téléphone, je vais me mettre sur mon tapis de marche. Alors, soit justement avec le téléphone, mais comme ça, au moins, je suis en activité. Ou alors, devant la télé, ou alors le soir, avant d'aller dormir, ou le matin, justement, quand je me lève. Et mon objectif aujourd'hui, c'est 10 000 pas par jour. Alors, j'en suis assez loin pour l'instant. Je suis entre 5 000 et 6 000 pas par jour. Justement, mon but, c'est d'aller jusqu'à 10 000 pas et de voir l'incidence que ça a sur mon corps et sur mon énergie. En fait, tout ce que j'ai déjà mis en place avec cette bague, avec le journaling, avec la lecture le soir, avec le Pilates, m'aide déjà énormément. Donc, j'ai envie de voir ce que va m'apporter ce tapis de marche et du coup, tout le reste. Alors évidemment, tout ça, ça ne va pas tout seul puisque si je mange que des fast-food et que je mange que des crasses, forcément, ça n'ira pas. Mais ça, c'est une habitude que j'ai mis en place il y a plus de 4 ans maintenant avec mon compagnon. On a vraiment repensé notre alimentation. On mange très, très sainement. On mange souvent à IG bas, c'est-à-dire à indice glycémique bas. On va essayer de cuisiner énormément. Je n'achète quasiment jamais de gâteaux. On va tout cuisiner, voilà. Mais ça va avec, parce que si vous mangez que des crasses, forcément, ça sera difficile après de vous sentir vraiment bien dans votre corps. Et du coup, vous verrez aussi que le sommeil en sera affecté, que votre énergie en sera affectée, que tout le reste en sera affecté, d'accord? Donc vraiment, prenez tout ça comme un tout et essayez-vous de trouver vos nouvelles habitudes pour vraiment vous sentir belle et sereine. Alors, je vous avais dit au début que j'avais une nouvelle vraiment importante à vous partager et qu'il fallait rester absolument dans cette vidéo. Donc, je vais enfin vous parler de cette nouvelle. C'est quelque chose que je cache depuis un petit moment, que certaines ont pu remarquer sur mes vidéos Insta ou sur mes vidéos YouTube. Voilà, je suis enceinte de mon 2e enfant. Il est prévu pour le mois d'avril. Donc, je suis vraiment très, très heureuse de vous partager cette nouvelle. C'est quelque chose dont je suis très heureuse, très fière. Et en fait, ces nouvelles habitudes-là, comme je le disais avec mon loulou, m'ont permis d'être une meilleure maman. Et je sais que je vais vivre encore mieux ma grossesse parce que j'avoue que ma première grossesse, c'était pas tout rose, c'était pas tout facile et que je l'ai pas forcément apprécié. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre le temps de l'apprécier, de mettre en place mes habitudes pour avoir cette énergie. Parce que oui, là, je suis en pleine période de nausées, de vomissements. C'est vraiment extrême. C'est très, très difficile. Je suis très fatiguée. Mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo pour que vous compreniez qu'en fait, les habitudes, c'est personnel
et que c'est important de trouver les vôtres pour vous sentir bien et du coup pouvoir avancer dans la vie. Donc cette deuxième grossesse pour nous, c'est vraiment une lumière, une nouvelle lumière dans notre vie et on en est très fiers. Donc je suis vraiment très contente de vous l'annoncer sur cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à me mettre vos habitudes à vous en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver sur Instagram pour partager mon quotidien et pour partager aussi votre quotidien à vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et du coup, je vous dis à très vite.